Les femmes contrôlent l'accès pour le sexe et les hommes contrôlent l'accès pour les relations ou le mariage. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien et les filles aussi. Du coup pour la vidéo spécialement dédicace. De toute façon quand je dis les gars, ça concerne tout le monde. C'est comme guys en anglais les gars. Je vais le répéter sur toutes les vidéos. Quand je dis les gars, c'est pour tout le monde, filles et gars, ok. J'espère que vous allez bien les gars. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, de pouvoir te permettre d'être motivé, voyager. Ah oui, je vais te dire, abonne-toi, clique sur la cloche. Que si je te le dis pas, tu vas pas le faire. Et quand même, il faut qu'on atteigne les 100K, les gars. C'est quand même l'objectif. Ok, donc l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être motivé, comme je te disais, d'être déterminé, voyager où tu veux, quand tu veux. Tu vois, bah, ça fait 2 ans que je voyage. J'ai fait Miami, Toronto, Atlanta, République d'Homme. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, je suis en Colombie. Donc voilà, tu peux être libre. Il suffit juste de te lancer et de passer à l'action, tu vois. Moi, j'ai créé mon premier business en ligne, c'était en 2016, où je vendais des formations en ligne sur le saxophone, j'en vends toujours. Et j'avais fait un lancement à 20 000 euros, ok? Donc si je l'ai fait, j'ai grandi à Évry, dans 4 ans, j'ai redoublé mon BEP. Les gars, arrêtez de trouver des excuses, juste passez à l'action. Tatouez en description pour pouvoir aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Les femmes doivent-elles rester célibataires? C'est une vidéo que je fais en rapport par rapport à la vidéo que j'avais fait sur les hommes, où je disais pourquoi les hommes devaient rester célibataires durant une période en tout cas. Et dans les commentaires, il y a une femme qui a demandé, oui, est-ce que nous aussi on devrait rester célibataire, ou enfin un truc comme ça. Donc du coup, et on m'a envoyé un mail aussi où il y a une femme qui me demandait ça. Qu'est-ce que j'en pensais, et du coup je vais partager ces conseils dans cette vidéo avec toi. Donc déjà ce que je peux te dire c'est que directement c'est que les conseils ne sont pas valables pour les deux, d'accord? Les conseils pour les hommes ne sont pas applicables pour les femmes. Donc on veut vous faire croire que oui, les hommes et les femmes on est pareil, c'est la même chose. Non, on n'est pas pareil. T'es une femme et nous on est des hommes, tu vois, c'est pas pareil. En fait, ne vous faites pas avoir par des idéologies féministes 2.0, hein, d'accord, parce que féministe de base, tout le monde est féministe, il n'y a pas de problème. Les féministes 2.0 qui vous montent le crâne et qui vous font croire tout et n'importe quoi. Et après c'est vous qui allez vous retrouver en difficulté et tu vas voir pourquoi dans la suite de cette vidéo. Mais clairement, les conseils que j'ai donnés pour les hommes, il ne faut surtout pas les suivre en tant que femme. Ou en tout cas, ça dépendra de tes objectifs. Donc, la première question que tu dois te poser en tant que femme, c'est est-ce que tu veux te marier ou pas? Si jamais tu ne veux pas te marier, que tu veux rester célibataire toute ta vie, bah, à ce moment-là, tu peux suivre les conseils que j'ai donnés pour les hommes. Mais ça, c'est si jamais tu veux rester célibataire toute ta vie. Okay. Maintenant, si jamais tu veux te marier, ou si jamais marier, le mot mariage te gêne, que ce soit Pax ou tout ce que tu veux, mais tu vas avoir une relation exclusive avec quelqu'un sur une longue période, il va falloir fonctionner différemment. Parce que tu le veuilles ou non, il y a un marché du célibat et il vaut mieux connaître les règles pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Donc maintenant, si jamais tu veux te marier, il y a deux choses que tu faut que tu prennes en compte. Enfin, il y a plusieurs choses, mais deux choses principales. Première chose, c'est faire des études, avoir une carrière, faire de l'argent, d'accord? En tant que femme, ça ne t'apporte pas de plus-value sur le marché du célibat, d'accord? Les hommes ne sont pas excités par ton intelligence. Faut dire, je vais dire les choses vraies, hein, ok? Donc, c'est où tu veux entendre la vérité. Si tu veux pas entendre les choses vraies, va ailleurs. Y a pas, ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste une réalité, ok? La réalité du marché. Les hommes ne cherchent pas des femmes intelligentes, des femmes qui font beaucoup d'argent, des femmes qui ont une longue carrière, des femmes qui ont des grosses études, ok, ça ne va pas t'apporter une plus-value sur le marché du célibat. Ça va être une plus-value pour toi personnellement, d'accord, pour ton accomplissement personnel, mais ce n'est pas ce qu'un homme va chercher en priorité. C'est un plus si jamais tu l'as, mais en priorité, ce n'est pas ce que tu vas, ce n'est pas ce que l'homme va chercher. Parce que l'erreur qui peut être faite, et ça c'est, tu vois, et c'est pour ça que je dis que c'est dangereux de suivre cette idéologie si jamais tu veux te marier. L'idéologie un peu, oui, vous êtes comme les hommes, faites comme les hommes, pareil. Hein, tout ça c'est une énergie masculine, hein. L'entrepreneuriat comme ça, aller conquérir, parce que c'est un peu, tu pars en guerre, hein, quand tu fais l'entrepreneuriat ou quand tu veux, enfin, une longue carrière, ok, c'est de l'énergie masculine. Et l'homme va toujours, surtout plus il est alpha, plus il a une grosse énergie, parce que plus il est alpha, plus il a une énergie masculine forte. Ben, plus il va être attiré par son opposé en fait. C'est comme une polarité, il va être attiré par son opposé. Plus le mâle
il va être l'alpha, il va avoir une énergie masculine forte, plus il va être attiré par une femme qui est féminine, qui a une féminité forte. Ok, la féminité, je rappelle, féminité c'est quoi? C'est une femme qui est belle, jeune, fertile, bien foutue, soumise, coopérative. Voilà. Maintenant, si jamais toi tu as une énergie masculine en tant que femme, il va falloir que tu trouves un équilibre, donc que l'homme en fait ait une énergie féminine plus élevée. Mais en général, si jamais toi tu as une énergie masculine forte, tu vas vouloir avoir un gars qui est encore plus puissant en fait. Donc le gars qui aura une énergie féminine, tu ne seras pas attiré par lui en fait. C'est pour ça que ça pose problème en fait de nos jours que les femmes ont une énergie masculine élevée, elles s'en rendent même pas compte parce qu'elles disent on veut être comme des hommes. Mais le problème c'est que ça a un impact. Ça veut dire que si jamais toi après tu veux un homme, l'énergie masculine ne va pas vouloir être avec une femme qui a une énergie masculine, ça ne va pas l'attirer de toute façon. Donc souvent ce qui se passe c'est que les femmes elles font des longues carrières, elles disent ouais je me concentre sur mes études, je me concentre sur mon business, je reste focus tout ça machin, et puis après quand elles ont 30 ans elles disent bon ben voilà c'est bon, je vais chercher mon mari, je suis prête, etc., etc. Le problème avec ça c'est que ce n'est pas la femme qui décide en fait. Ouais, je t'assure, ce n'est pas la femme qui décide. Et je peux te dire que les femmes qui ont fait ça, qui ont vécu ça, parlent avec elles, elles vont te dire ah ben non, ça ne se passe pas comme ça en fait. C'est pas quand tu décides de te marier ou que tu veux te poser ou avoir des enfants que direct tu vas trouver le gars. Non, pourquoi? Parce que la femme contrôle l'accès au sexe et l'homme contrôle l'accès aux relations, au mariage. Donc souvent les femmes elles confondent. Elles se disent ah j'ai plein de prétendants, mais tout ce que les gars veulent c'est juste du sexe. Parce que quand il faut aller plus loin, eh ben, ils ne te demandent pas en mariage. Donc à ne pas confondre, oui j'ai plein de prétendants, ça veut dire que je peux me marier quand je veux, avec oui je vais vraiment me marier. Okay? Les femmes contrôlent l'accès pour le sexe et les hommes contrôlent l'accès pour les relations ou le mariage. Donc ça c'était le premier point, les longues carrières, faire beaucoup d'argent, etc. en disant ouais c'est ce que le gars il va kiffer et que ça va me donner encore plus de plus-value. Que tu en sois consciente ou inconsciente, c'est un peu ce que tu penses. Tu penses que tu vas te dire, bon, ben, l'homme, il va vraiment kiffer le fait que je gagne de l'argent, que je sois autonome, que je sois libre, etc. Non, ça, c'est ce que toi, tu recherches chez un homme. Mais un homme ne pense pas comme une femme. Et tu ne pourras pas faire un homme devenir une femme. Il sera toujours un homme. Donc, ce n'est pas parce que toi, la femme, tu cherches des qualités comme ça chez ton conjoint que l'homme veut la même chose. Non, c'est complètement différent. Deuxième point sur lequel tu dois être consciente pour pouvoir savoir quelle décision tu vas prendre à la fin de cette vidéo ou en tout cas y réfléchir, c'est que le temps ne joue pas en la faveur des femmes. Ok ? Pour parler direct, plus la femme prend de l'âge, plus elle se dévalue sur le marché du célibat. Ok ? De 20 à 27, tout se passe bien. D'accord ? À partir de 27 ans à 35 ans, tu rentres dans la zone dangereuse et à partir de 36 et plus, tu rentres dans la zone dangereuse, dangereuse, plus, plus, plus. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée de te concentrer pendant toutes tes années, la vingtaine, sur des études ou sur faire de l'argent. Genre, j'ai pas de relation avec personne. Je ne parle pas de relation sexuelle. Je parle d'avoir une relation et que ça aboutisse soit un mariage. Parce que quand tu vas arriver à 30 ans, tu es déjà dans la zone dangereuse. Qu'est-ce que ça veut dire la zone dangereuse et pourquoi c'est la zone dangereuse? Parce que, comme je te l'ai dit, les hommes, ils recherchent quoi? Et je te parle des alphas, mais tous les hommes recherchent ça. C'est juste que les alphas, comme ils ont plus d'options, eh ben, ils vont être encore plus difficiles. Tu vois, ils vont prendre, si j'ai pas... On est tous notés, en fait. Sur le marché du célibat, c'est comme si on était tous notés. Okay, de 0 à 10. Hein, les alphas, ils vont peut-être être à 8, 9, 10. Okay? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il est super bien noté? C'est pas nécessairement par rapport à sa beauté. Okay? Être beau, c'est les femmes qui doivent être belles. D'accord, c'est les femmes qui doivent être belles. Les hommes n'ont pas besoin d'être beaux. Les hommes, ils doivent être assurés financièrement. Donc, plus tu as de l'argent, en gros, eh ben, plus tu seras un alpha, hein, concrètement. Hein, faut arrêter, hein, faut dire juste la vérité. Donc, il faut qu'il assure au niveau de l'argent. Il faut qu'il soit protecteur, il faut qu'il soit un leader, il faut qu'il ait une vision. Et donc, plus ça se sera développé, plus il va ranker de manière élevée. Il va monter à 8, 9, 10. Et une femme, c'est basé sur, comme je t'ai dit, si jamais elle est soumise, si jamais elle est jeune, elle est fertile. Si jamais elle est belle, elle est bien foutue. C'est ça qui permet de la ranker, enfin en tout cas de sur une échelle de 0 à 10, plus elle est belle, qu'elle est féminine en gros, plus elle va monter à 7, 8, 9, 10. Par exemple, une Beyoncé, c'est, on va dire c'est du 8 par exemple, okay, pour te donner une ordre d'idée.
Et c'est pour ça que des fois on peut voir des gars, dire, ah, parce que tu vois, il y a des gars qui disent, ouais, mais le gars il est trop moche, la fille elle est juste pour, elle a juste pour son argent. Ben, c'est pas question que c'est son argent, c'est juste que ben, le gars, s'il a de l'argent, c'est que c'est un alpha, c'est qu'il a une vision, c'est qu'il est persévérant, qu'il est déter. Et les femmes elles aiment les mâles, les mâles alpha, c'est tout. Ok, bref, ça c'était la petite parenthèse pour les hommes qui regardent. Et donc ce qui se passe, c'est que l'un des points qui fait que tu dévalues, que ta note elle va baisser, c'est que, enfin entre guillemets, ta note elle baisse, c'est que plus tu vas prendre de l'âge, bah, plus tu vas être en concurrence avec des jeunes. Ça veut dire que là, tu prends bien conscience qu'en général, quand tu as 20 ans, tu as 20 ans, 21 ans, déjà tu dates peut-être des gars qui ont 25, 26, hein, quand tu as 23, 24, tu peux dater des gars qui ont 30, qui ont 35, qui ont même 40. Et ça, ne crois pas, si jamais tu as 30 ans ou 36 ans, tu regardes cette vidéo, ne crois pas que les filles jeunes ne veulent pas dater des gars qui ont 40 ans. Ça, c'est pas vrai, ça. Il y a des filles qui ont bien compris, il y a des filles qui sont intéressées peut-être pour construire quelque chose avec quelqu'un qui a le même âge et essayer de construire un empire en même temps, mais il y a plein de filles qui ne veulent pas envie de se prendre la tête à attendre 10 ans pour construire quelque chose avec un gars et passer directement avec un mâle qui a déjà, je sais pas, 40 ans ou même 50 ans des fois, et être déjà avec un gars qui est déjà riche, qui est déjà bien, qui elle est déjà en sécurité, etc. En gros, la femme va toujours être attirée par un mâle et tu le sais. Donc quand tu arrives au-dessus de 27, bah, ce qui se passe, c'est que tu es en concurrence directement avec des filles de 21 ans. Hein. Quand tu as 32, 33, 34, les gars que tu vas dater, quand tu as 27 à, 30, à 35, tu vas dater des gars de quoi? De combien? Tu vas dater des gars de 40. 27, ouais, ça va être du 38, 39, 40. Tu rajoutes 10, quoi, en gros. Hein, tu vas dater des gens de cet âge-là. Mais des gens de cet âge-là, en tout cas, c'est des mâles alpha, d'accord? C'est des mâles alpha. Les gars de 40 ans, ils vont dater des filles de 25 ans. Normal. 26, 27. Okay, donc du coup, tu es en concurrence directement avec des plus jeunes. Okay, et là, je te dis mal alpha, mais même les gars qui ne sont pas des mal alpha, qui sont même dans la moyenne, mais qui ont une stabilité, plus en gros, le gars, il est bien, il sera bien noté, entre guillemets, sur le marché du célibat, plus ça sera difficile pour toi de l'avoir parce que tu seras en concurrence directement avec des jeunes. Et je ne te parle pas de si jamais tu es en surpoids, je ne te parle pas de si jamais tu ne prends pas soin de toi, si jamais tu as des enfants. Voilà, pareil, les enfants, ce n'est pas un actif hein, pour les hommes. Ils viennent, ils doivent être des beaux-pères et en plus, ils vont même pas pouvoir éduquer l'enfant comme toi tu veux parce que tu vas toujours être en train de protéger l'enfant. Enfin, tu vas pas vouloir qu'un autre homme peut-être intervienne. Lui, il va falloir qu'il deal avec le vrai père. C'est que un truc casse-tête en fait. Et si jamais en plus, il veut créer sa propre famille, bah, laisse tomber, c'est la misère. Donc surtout, ne fais pas d'enfants avant de te marier. Ça c'est mon conseil, c'est la solution la plus simple. En tout cas, dans le marché du célibat, c'est même pas des conseils genre religion, un truc comme ça. Hein. C'est juste une question que si jamais tu veux te marier, pour te donner le plus de chances d'avoir l'homme que tu veux, hein, parce que la femme, elle est toujours hypergamie, tu veux toujours, et puis le gars aussi veut toujours pouvoir dater la plus belle femme qu'il peut, et la femme, elle veut toujours vouloir dater le gars le mieux qu'elle peut avoir, tu vois. Ben, si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté, surtout ne fais pas d'enfant avant le mariage. Ou sinon ne te sépare pas du père de ton enfant. Parce que si tu as été capable de faire un enfant avec lui, je pense que tu peux faire des efforts pour pouvoir rester avec lui. Hein, pareil, si jamais tu es une femme qui a 30 ans, 35 ans, ou même 27 ans, 28 ans, et que oui, tu en as marre, tu te dis, ouais, je me sépare, je me barre, j'en ai marre de lui, etc. Réfléchis bien. À la lumière de ce que je viens de te dire, réfléchis bien. Parce que quand tu vas arriver sur le marché avec ton enfant, t'es en surpoids, t'es pas bien foutu, t'es peut-être une fille qui est moyenne, d'accord, ce qui est la plupart des filles, hein, qui est moyenne, il y a des Beyoncé, il n'y en a pas 50, tu vas arriver sur un marché où ça va être chaud. Tu vas être en concurrence avec des filles qui sont super bien foutues, qui sont plus jeunes et qui n'ont pas d'enfants. Donc c'est pour ça, n'écoutez pas, vous ne laissez pas engrainer les filles par ce mouvement de, comment ça s'appelle là, les féministes 2.0 hein, qui vous engrainent à fonctionner comme des hommes, parce qu'après c'est vous qui vous retrouvez en galère. Certaines filles utilisent le féminisme 2.0 pour pouvoir taper sur les hommes parce qu'elles sont aigries, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne joue pas en votre faveur. Et les filles qui sont vraiment féminines, qui ont envie d'exprimer leur féminité, n'osent pas trop le faire parce qu'elles ne veulent pas parler à l'encontre des féministes 2.0 parce qu'il faut leur faire être solidaire. Mais en attendant, c'est vous qui allez payer le prix. Après, là, tu vois, tu connais les sujets comme ça, je pourrais te parler pendant des heures et des heures. Mais voilà, mais en gros, pour te donner le conseil final, si jamais tu veux te marier, c'est ton objectif, de 20 à 27 ans, fais-en ta priorité. Fais-en ta priorité parce que c'est là où tu vas pouvoir faire le meilleur deal.
Là, tu vas pouvoir dater, tu vas pouvoir te marier avec le meilleur gars parce que tu es dans la zone qui est parfaite en fait. Okay? Parce que les gars, eh ben, comme je t'ai dit, ils cherchent des jeunes. Donc, tu vas pouvoir dater un gars le plus haut possible. De toute façon, le meilleur deal que tu pourras faire, c'est dans cette tranche d'âge-là. Après, à 27 ans, tu rentres dans une zone dangereuse. C'est juste que, est-ce que c'est impossible? Non, ça dépendra de toi. Si jamais tu es une bebon, si jamais tu es Beyoncé, et qu'à 27 ans, 28 ans, tu te retrouves où tu es une, je sais pas, un mannequin de Victoria's Secret, même si tu as 30 ans, même si tu as un enfant, tu vas réussir, tu vas pas rester longtemps sous le marché du célibat. C'est clair, tu vois. Mais si tu es une fille moyenne, ce qui est le cas de la plupart des filles, il faut pas que tu joues à ça. Et je répète encore, les filles qui veulent se barrer, qui veulent laisser leur gars qui ont 30 ans, 32, 33, 35, 36, et plus, j'en parle même pas, enfin, c'est pas du tout le moment de faire ça. Je pense que tu dois retourner avec ton gars, okay, prendre un thérapeute, réconciliation, guérison, okay, et repartir sur des bonnes routes. Parce que ce que tu vis, tu crois que c'est ouf, mais dehors, sur le marché du travail, ça va être encore pire. Okay, donc mon conseil, c'est surtout ne reste pas célibataire. Si tu veux te marier, fais-en une priorité, surtout quand tu as 20 à 27. Okay, c'est là que vraiment tu charbonnes. Ce n'est pas le moment d'aller sortir en soirée, d'aller en boîte, de t'amuser toute ta vie. Vivre ta best life. Non, parce que l'horloge elle tourne. Surtout si en plus tu veux des enfants et tu n'en as pas encore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que ce n'est pas des trucs bons à entendre, mais vaut mieux que tu saches la vérité. Moi je suis comme ça, je dirais toujours la vérité. Je ne vais pas faire semblant. Donc, au moins que tu aies toutes les notions, que tu saches exactement. Parce que je vois trop de filles, genre de 20 à 27, qui disent oui, je veux chercher un mari ou je veux me poser dans un lit, dans un an, et qui n'en font pas une priorité. Et le temps, il passe super vite, tu n'es pas prêt. Le temps, il passe super vite, tu es là, tu crois que tu as la vingtaine, boum boum, tu vas arriver, tu auras 30 ans, 32, tu es déjà dans la zone dangereuse en fait. Là, quand tu arrives dans cette zone-là de 27 à 35, mais sois focus de malade. Hein, et peut-être réduis aussi peut-être tes standards. Réduis tes standards. Parce que si jamais tu te surévalues, ça aussi c'est un autre problème, on pourra en parler dans une autre vidéo si tu veux. Dis-moi en commentaire, on en parlera. Mais surtout, ne te surévalue pas parce que tu attires ce que tu es. D'accord? Si jamais tu es un 8, tu vas attirer un 8. Okay? Mais si tu penses que tu es un 8 alors qu'en fait tu es un 6, tu vas toujours vouloir attirer des 8 et tu ne vas pas comprendre. Tu vas juste avoir du sexe. Et tu vas croire qu'au bout de 3 ans, il va se marier alors que non. Un gars, si jamais il un alpha en tout cas, il sait ce qu'il veut, eh ben, il va te marier rapidement. Tu vois, ça ne va pas prendre 3 ans pour te marier. Hein. Et je le répète encore, parce que je me rappelle d'avoir parlé de ça avec une femme et ça m'avait marqué ça, qui me disait qu'elle regrette d'avoir, dans sa jeunesse en fait, parce que dans sa jeunesse, son gars l'avait trompé. Et elle avait divorcé, elle était partie, elle avait 2 ans avec ce gars-là, elle était partie. Et puis des années après, parce qu'elle avait quel âge maintenant quand je lui ai parlé? Elle avait peut-être fait ça dans sa jeunesse, et quand je lui ai parlé, elle avait peut-être 45 ans, un truc comme ça. Et elle m'a dit qu'elle a regretté en fait. Elle a regretté qu'elle était jeune et qu'elle n'avait pas de recul. Elle a juste dit ouais, il m'a trompé, nanani, je me barre et tout. Mais et maintenant, elle est dégoûtée. Bon, parce que bah, le gars, il a refait sa vie. Maintenant, c'est triste. Maintenant, tu vas peut-être me dire, ouais, mais c'est pas une généralité. Au vu de ce que je t'ai dit, comment les hommes fonctionnent, sois bien consciente. Surtout, tu as des enfants, je t'ai tout dit. D'accord? Tu as toutes les infos pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Même, j'ai même été plus loin. J'ai même dit, quand tu es en relation, qu'est-ce qu'il faut faire? Réfléchis bien. Parce que le marché du célibat, c'est dur pour les femmes. Contrairement aux hommes qui, bah, plus genre, ils se bonifient, concrètement, hein. C'est pour ça que tu vois des Brad Pitt, des je sais même plus qui, des 50 Cent, quand des femmes 20 ans en dessous de leur âge. Tu vois, tu verras jamais le contraire. Et penser que les femmes et les hommes sont les mêmes, c'est juste se mentir à soi-même. Autre point que je voulais rajouter, parce que du coup j'avais conclu la vidéo, mais autre point que je voulais rajouter est d'expliquer pourquoi les hommes plus ils vieillissent, plus ils se bonifient. Parce qu'en fait, la différence entre la femme et l'homme, c'est que sa valeur, elle l'a à la naissance. D'accord, sa valeur sur le marché du célibat, elle est à la naissance. Je te parle toujours du marché du célibat. Je te parle pas de ta valeur personnelle. Je te dénigre pas, etc. C'est pas parce que tu es quelqu'un, par exemple, qui a un 6, que tu es une personne qui est moins bien ou qui est moins. C'est juste dans le marché du célibat. Ok, ça n'est pas un dénigrement ou autre chose. Et pareil pour les hommes. Okay, c'est pas parce que tu es un 6, imaginons, tu es un gars de la moyenne, que ça veut dire que tu es quelqu'un, je sais pas moi, avec qui il faut pas traîner ou etc. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est vraiment dans le marché du célibat, c'est une réalité, il faut juste l'accepter. Donc,
La femme, elle naît avec sa valeur dès qu'elle naît. Si elle est belle, ben boum, ben voilà, ben c'est un 8, ben elle est un 8, elle sera un 8 toute sa vie. Tu vois, Beyoncé, elle est née, elle était belle, bon ben voilà, c'est comme ça. Hein, c'est, tu peux rien y faire, tu vois. C'est, la femme, elle naît directement avec ça. Alors que le gars, lui, il n'est pas avec sa valeur. Lui, il doit la créer. Ok ? Et je peux te dire que la beauté, ça ne change rien. Si jamais tu peux être beau, si un gars il est beau comme tu veux, si jamais il n'a pas de travail, il ne prend pas soin de lui, tout ça, il n'est pas un leader, il est plus féminin qu'autre chose, okay, il a une énergie féminine forte, ça, il ne va pas attirer les femmes. Donc pour revenir à ce que je disais, l'homme construit en fait sa valeur. Ça veut dire que plus il va vieillir, ben, pourquoi il se bonifie ? C'est parce qu'en fait, il gagne plus d'argent en général, hein, plus il prend de l'âge. En général, les gens qui s'enrichissent, les riches, souvent l'âge entre, c'est à partir de 40 ans en général, hein, la plupart des riches. Ça a peut-être changé avec la génération Internet, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est à partir de 40 ans où vraiment les gens commencent à devenir vraiment riches, tu vois, à faire des 100 000 euros à l'année, par exemple. Donc l'homme, en gros, plus il va grandir, plus il va vieillir, plus il va en fait se bonifier grâce à ça parce qu'il peut augmenter son rank, sa note, en gros, sur le marché du célibat. Parce que voilà, il va pouvoir avoir plus d'argent, il va être plus sage, il va pouvoir être un plus grand leader, etc. au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que j'ai conseillé aux gars, il faut qu'ils restent célibataires. Et dès qu'ils sont bien devenus des mâles alpha, boum, là ils peuvent choisir la femme qu'ils veulent. Ok ? Donc voilà, c'est pour ça que des fois les femmes elles comprennent pas l'homme parce que elles comme elles naissent avec une valeur, elles comprennent pas que un gars il ait besoin de travailler dur pour pouvoir augmenter sa note. En gros, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime parce que tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce qu'il y a les influenceurs 2.0 qui sont passés. Pas les influenceurs 2.0. Parce qu'il y a des féministes 2.0 qui sont passés. Et ne te trompe pas, hein. Moi je suis pour l'égalité pour tout le monde. Donc je suis féministe de base. Hein. Que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes opportunités. Ok ? Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette fois-ci, c'est bon là. Là, c'est bon. Hein. Sinon, moi, je continue à parler jusqu'à demain matin. Hein. Donc, t'as tout en description si jamais tu veux créer ton business en ligne, d'accord ? Si jamais tu veux être libre financièrement. Après, pour pouvoir compléter un peu la question, ça pose pas de soucis si jamais tu fais ton... Si jamais tu es une femme et que tu crées ton business en ligne, tant que les autres points, ce que les hommes cherchent réellement, de la féminité, que tu sois féminine, soit mise en avant. D'accord ? Il ne faut pas que parce que tu as ton business en ligne, que tu veux leader le couple, que tu veux leader tout ça, ça ne va pas attirer l'homme. Okay ? Si l'homme est... Ou sinon, ça ne va pas attirer l'homme que tu veux, tout simplement. Donc, c'est facile, là, c'est bon. Là. Okay ? Mais en tout cas, tu as tout en description, si jamais tu veux aller plus loin. Et prends soin de toi et on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.